Et à toutes, nous continuons avec les halakhot de Bassar et Chalav, le lait et la viande. Quelle est la halakha par rapport au fait si je veux cuire quelque chose de parvé, des pâtes, du riz, etc., dans une marmite qui est bessarite, pour manger ça après avec du lait? Est-ce qu'on a le droit de faire ça, oui ou non? Alors si la marmite, elle n'est pas batyoma, ça veut dire dans les 24 dernières, les dernières 24 heures, on n'a pas cuit dedans quelque chose de chaud. Alors, par exemple, si je fais maintenant du riz dans une marmite qui est bessarite, qui est viande, mais qu'on n'a pas cuit dedans dans les dernières 24 heures, alors on peut manger ça avec du lait pour tout le monde. Il n'y a pas de problème. C'est les khatrila, a priori, on peut manger ça avec du lait. Qu'est-ce qui se passe si dans les dernières 24 heures, j'ai oui cuit quelque chose de chaud, alors... C'est comme ça. Pour la majorité des posquets sfarades, des décisionnaires sfarades, on n'a pas le droit de, a priori, cuire quelque chose de parvé dans une marmite bessarite pour manger ça après avec du lait. Si on a cuit, alors, a fortiori, après qu'on a cuit, alors on peut manger ça avec du lait, mais a priori, on ne peut pas cuire ça avec, dans une marmite de viande pour manger ça avec du lait. Mais comme on l'a dit, a fortiori, si on l'a déjà fait, alors on pourra manger. Pour le Rav Ovadia Yosef, on peut même faire ça a priori. On peut cuire du riz ou des pâtes dans une marmite qui est viande, qui est même qu'on a cuit dans les dernières 24 heures, et on pourra manger cela avec du lait après. Mais ça, c'est seulement l'avis du Rav Ovadia Yosef. La majorité des dessinaires sfarad, ils disent qu'on n'a pas le droit de faire ça. Et pour les a priori, a fortiori, si on l'a déjà fait, alors on pourra. Mais a priori, on pourra pas. Pour les décisionnaires ashkenaz, alors... C'est ce qui s'appelle cheskat besari ou cheskat chalavi. Ça veut dire que si j'ai cuit quelque chose de parvé dans une marmite de où on a cuit de la viande dans les dernières 24 heures, bien sûr, bien entendu, on parle d'une marmite qui est propre entièrement. Alors, c'est ce qui s'appelle cheskat besari. Donc, je peux pas manger ça avec du lait, mais je peux manger ça juste avant le lait ou après le lait. L'essentiel, c'est de pas manger en même temps avec le lait. C'est ce qui s'appelle rescate. Et aussi, inversement, si j'ai cuit du riz dans une marmite qui est lait, laitière, d'accord, qu'on a cuit du lait dans les dernières 24 heures, alors pour les Ashkenazim, je ne pourrais pas manger cela avec de la viande, mais je peux manger ça avant ou après la viande. Et pour les Sfaradim, d'après la majorité des dictionnaires, alors on pourra manger ça a fortiori avec du lait ou de la viande, mais a priori, on ne doit pas cuire de cette manière-là. On doit ou avoir une marmite parvée ou cuire dans une marmite qui est chalavi pour manger avec du chalavi, mais a fortiori, si on l'a déjà fait, alors on pourra manger en même temps pour les Sfaradim et avant ou après pour les Ashkenazim.